Hop. Bon, je m'installe. Breakover. Breakover. Break. « 14 km 3301 » Yes. Ça c'est super, merci, 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 merci la propague, les 73-51 Gilles. Pendant que j'étais vite fait avant de relâcher le micro, j'ai trouvé une solution temporaire là de mon côté à l'instant même. Je t'expliquerai ça. Comment vas-tu? Comment vas-tu après, après ce siècle sans pouvoir se, se copier, Hachi? Ok, bon, si tu arrives à m'entendre, je pense que là, ça devrait aller mieux pour la prochaine vidéo. J'arrive, là, pour l'instant, j'arrive à faire cohabiter l'ancienne version du logiciel et la nouvelle version. Voilà, j'ai deux dossiers côte à côte, deux installations côte à côte. Ça devrait, je croise les doigts pour que ça puisse le faire. C'est-à-dire que je fais le travail avec le nouveau logiciel et je finaliserai avec l'ancien logiciel. Dans l'idée, pour l'instant, ça serait ça dans l'idée. À voir après pour une meilleure solution. Ok, d'accord. Je repasse en RX pour les autres stations. Là, visiblement, c'est trop compliqué pour passer. De toute façon, je suis en train de faire une vidéo de mon côté. Tu pourras entendre ça dedans. Je te montrerai ça. Je t'expliquerai ça. Mais je reste dans le QSO, hein, y a pas de problème, là il y a intérêt là. Ah oui, ça fait bien de 30 ans là, de 2 ans là qu'on n'a pas réussi à se copier. Bon d'accord, 2 ou 3 jours. J'ai juste un poil exagéré. Ah si, 3 coups. Y a pas de problème, Rémi, y a pas de problème. On va voir s'il y a dans une station qu'on peut entendre sur le Québec. Alors. Le Québec-Canada, 73-51, tous les stations derrière la porte qui est la province Québec. Nous avons disparu tous les stations derrière la porte. 14 Wedge au Charlie, 14 Wedge au Charlie, 14 au Charlie encore. Ah, j'ai un souci sur un WebSDR. Okay, on lead 38, okay, 108 to Charlie Jungle, 38, you are flying 5 0, 5 0, 73. Okay, 73, my friend, what up? 73. Ça a chuté, hein, il y a d'autres stations qui sont arrivées du même coup aujourd'hui. Il y a notamment la 5556, 5556 ici pour Patrick. Ah, ok, d'accord. Ok, mais je vais faire beaucoup de monde, je vais réfléchir. C'est compliqué là. Alors. Si ça passe toujours. plaisir pour moi de reprendre partie tout dans les meilleures conditions, mon ami Thierry, 416, passant le temps pour la vie. Yeah, my name is Alan Alfarima Alpha November 14-160 from Paris Center. Now we have Cibi turning for the weather. Oh. Okay, thank you very much. Your modulation is very strong, very clear. Congratulations. 1 3 2 1 7 2 1 7. Ah, si, ça y est. 57. 55, 57 de mon côté, Gilles. Bon, j'ai un souci d'affichage sur le WebSDR d'Ottawa. Ça, c'est fréquent, ça. Ça s'affiche dans une autre résolution. Du coup, le curseur qui fait sur le WebSDR de Montréal-Laval quelques millimètres de large, ouais, allez, 2-3 millimètres de large, là pour le coup sur celui d'Ottawa, ça m'affiche un curseur là qui fait 10 cm de large. Affirmatif. On a l'impression qu'ils sont nés pour ça, eux. Oui, c'est des casse-couilles, ils sont pas tous comme ça, hein, ils sont pas tous comme ça. Heureusement. Oui, heureusement. Bon, je vais faire un essai, là, pendant ce temps-là, là, sur mes deux versions de logiciel, voir si ça arrive à fonctionner. 102 égale. Hey, 102, that pressure is busy, 102, can you make QS right, thank you. 947, 947, listen. You make it QSY 102. QSL, 1 Alpha Tango, 947, 505, it's a lot, what? 947, no, 0, signal. Okay, 79 is your way to 428, 79, division, 79 is your way to 428. Yeah. Oups. Oh, la propague a tourné. Oh putain, non, Santiago 8. Hein. Oui, informatif, oui. Bon, là, j'ai fait une petite vidéo comme ça avec mon téléphone, là, vite fait. Je vais voir si... je t'expliquerai ma bidouille que j'ai fait, là, sur l'ordinateur. Bon, c'est une bidouille que j'espère temporaire, on verra bien. Mais bon, déjà, si ça marche comme ça, si ça veut bien le faire comme je le veux, ça serait mon plan B, on va dire, pour faire des vidéos de meilleure qualité que la merde que je fais en ce moment. Quoi. Et dans la blagounette, je dirais que tant qu'on n'a pas trouvé un désherbant, il y en aura toujours. Alors bon courage. Je le connais même pas leur groupe. Je c'est vrai que tu m'en as parlé. Je sais même pas comment ils s'appellent leur groupe. Tiens, tu me mettras le lien en message perso que je fasse curieux comme ça sans plus, mais juste le curieux. Hein. Toujours à l'écoute. Ah, c'est un peu le bazar hein, de mon côté, effectivement. Hein. J'ai une oreille sur le web SDR de Montréal-Laval. Je vois que de ton côté aussi, hein, c'est pas mal. Hein. La propague est de retour en force. Un peu trop en force. Non, on va pas se plaindre, quand même pas. Ah, j'ai pas tout compris là, t'as été complètement surmodulé. Oui, 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 ça arrive de partout, là. C'est, ça arrive du partout et du partout du même groupe. Dans quel log, Gilles, tu es en plein contest en ce moment? Gilles, j'ai entendu l'OM dire que tu es dans le log. Tu es en plein contest en ce moment, Gilles? Attention 9, bravo Charlie 555, 14 km, 3301 qui appelle. Ok, j'ai entendu tes doubles bips derrière. Ok, ça passe encore. Oui, au point que là, j'ai cru un instant que pour le coup, la porte s'était fermée pour laisser la porte sur l'Italie, Brésil, enfin sur ces pays-là. Là. Oups, j'ai entendu quelqu'un mobile. Ouais, ouais. Et là, j'ai entendu parler de log tout à l'heure. Je me suis dit, Gilles, en contest DX, j'ai pas tout compris là, quand il a parlé de log. Ah oui, c'est l'Italie, oui. Ah oui, t'as oublié de... Qu'est-ce que c'est? Ah putain, j'ai un souci, et maintenant c'est avec le branchement téléphone que j'ai un souci. Oh putain, décidément. Eh ben oui, déconnecté, ben oui, forcément. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que c'est? Waouh, ça me fait des trucs. Bon, je suis en train de me battre avec l'ordinateur, là. C'est... Ouais. La station, quand vous arrivez sur un QSO, vérifiez quand même s'il n'y a pas déjà du... C'est quand vous arrivez sur une fréquence, vérifiez quand même s'il n'y a pas déjà un QSO, sachant quand même que le groupe des talents du Québec sont ici sur cette fréquence depuis une bonne quinzaine d'années. Alors, faudrait être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître qu'il y a déjà un QSO régulier, là, ici, sur cette fréquence. Et ça fait volontairement la sourde-oreille. Ouais, c'est le bordel. Ah, mais je vois que j'ai pas vu ça. Là, on la voit bien, la mauvaise foi de certains. Au secours, hein. Ça balance un maximum de puissance, ça montre une soi-disant supériorité en conneries surtout, sur tout le monde. C'est pas ça l'esprit radio, c'est pas ça du tout. Ça revient de mon côté. Oh là là. Ouh là 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 là. Santiago 8. C'est toi qui m'as fait une demande sur Messenger. Ok, ouais, alors je l'ai entendu dès que j'ai monté le volume du WebSDR de Montréal-Laval. Oh oui, ça passe bien. Oh oui, monsieur. Les 73-51 toits de 14 km 33-01 Rémi, à côté de Saint-Émilion sur le département de la Gironde. Non. T'as encore une bonne mémoire. T'es pas trop vieux encore. Ah, chi. Ouais, j'entends plus. Bon, il fait super bon dehors et tout. Je serais bien tenté ce soir de prendre la moto, mais vu ce qui est annoncé, hop, je suis sur un chantier ce soir, alors même pas en rêve. La propagande est trop forte. Ah oui, c'est une façon de voir. Ah, désolé, c'est juste modulé. Ok, merci. Oups, là, Santiago 3 de mon côté. Wow, c'est un nouveau parti là. Ah si, ça passe toujours. Ok, d'accord. Il y en a qui n'ont pas payé leur abonnement Cibi. Ils se sont fait couper leur forfait Cibi. Ils ne peuvent plus l'utiliser. Bon d'accord, la blagounette c'était que au téléphone, quand on ne paye plus son abonnement, on se fait sucrer le téléphone. Donc là la blagounette c'était ben, la même chose pour la Cibi. Eh bien, alors j'entends plus les autres oiseaux, mais j'entends plus personne par la même occasion. Ouh, Santiago 6, là, tu m'es arrivé. Non, non, non. D'ailleurs, attends. Je regarde. Je vois d'un nouveau un message perso, là, si elle m'a répondu. Alors, que je lance Messenger. Non, elle n'a pas regardé, les messages. Non, 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 mais je ne l'ai pas entendu une seule fois. Hein. J'ai découvert qu'elle était derrière mais par son message sur Messenger. Ah bah comme ça. Ah, pour le coup, elle va être contente. Deux OM pour être toute seule. Ah, chi. Ah ben non, ça fait 3 avec le sien, quoi. Oh putain. Oh, 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 oh. Oh ce chantier, quoi. Il est tombé de sa chaise. Oh bah alors là, ce coup-ci, je crois que là... Ah bah si, ça passe toujours. Eh bien, là, j'y croyais plus, là. Ah, j'entends quelqu'un derrière. Ouais, j'ai entendu quelqu'un, c'est QRP derrière, tellement QRP que je ne sais même pas si c'était du francophone ou pas. Ah, tu m'étonnes, c'est du Santiago 8, Radio 5. Ah, je l'ai pas entendu, les 73-51, lui, à Louis, retournez, 14 km 3301, d'un des 33, Rémi sur le sud-ouest de France. Non, rien d'un côté ni de l'autre. Oui, c'est ça, Rémi, toi ? J'ai l'impression que tu l'entends plus non plus. Ouais, je l'entends plus. Ouais, c'est bien ça, c'est bien ce qui me semblait. Ah, ah ben non, c'était double bip que j'ai entendu. N'importe quoi. Ben, alors, je sais pas, parce que le A peut-être du tien, mais je vois de mon côté, là, c'est très propre, trop propre même, puisque, puisque là, ben, tu es le seul que j'entends. Je n'entends plus rien, j'ai plus de j'ai pour ainsi dire plus de bruit, et bon, en même temps, en parallèle, je suis en train de travailler un petit montage vidéo, là, vite fait, là, pour te montrer comme ça, là, sur Messenger, les acrobaties, là, comment je suis en train de faire, et tout ça, là, pour faire cohabiter, là, les deux versions, et arriver à faire quelque chose de propre. Donc, de temps en temps, j'ai un petit retour de son dans le haut-parleur. Alors, ça me fait un petit peu, je dirais pas sursauter, mais hésiter. Est-ce que c'est la propag qui m'arrive de ce côté-là, du côté du WebSDR? Est-ce que c'est moi qui déclenche ce son dans le haut-parleur? Enfin bon, bref. Oh là, ça devient compliqué l'affaire. Bon, en tout cas, côté du poste, je n'entends personne d'autre que toi. Là, tu es le seul là qui passe ici là. Et, mais c'est bien souvent le cas en plus. Hein. C'est vrai que c'est bien souvent le cas. Hein. Avec le QSO qui est en arrière-plan, il faut que vraiment porter attention. Là. À moins que je me retape un peu mieux sur la fréquence. Comment tu reçois? Alors, 27625.06. C'est voilà, mais j'y pense sur ton poste. T'as pas un cran là quand tu mets le Corse au milieu? C'est bizarre ça que je me souviens moi quand j'avais le 3009 de la voiture et ça c'était un petit peu chiant de temps en temps dès que je mettais le Corse au milieu bon ben pardon si j'étais décalé de quelques hertz, quelques dizaines de hertz, eh ben je pouvais pas parce que pour le coup le peu que je bougeais ça me faisait retomber dans le cran. Et toi, je remarque que tu arrives à te décaler comme ça, aussi simplement que ça, quand c'est vraiment très très minime. Ouais, que c'est loin, je me décale problemas marciais, fiscais, Oui, non, mais je le vois bien dans tes vidéos. Hein, tu es plus à attraper le corse que le fine. C'est, à chaque fois je vois tes gros doigts de bûcheron hachis sur le corse et pratiquement jamais sur le fine. Toi, je te vois bien faire de la couture. Alors là, il y aurait du vidéo gag. Ouais, bon là, là effectivement j'ai un petit peu de bruit de mon côté parce que bon, voilà, j'ai le WebSDR de Montréal-Laval qui est à côté. Du coup, je suis que celui-là. Celui-là de Ottawa, il veut pas s'afficher correctement, moi, aujourd'hui. Bon, ça doit être au niveau du navigateur, ça, du navigateur Internet, je pense, le problème. Bon, peu importe, j'ai celui-là de Montréal-Laval qui est en parallèle. Donc, lui, qui me mène un petit peu de bruit. D'ailleurs, je suis comment au niveau réglage ? Eh bien si, pourtant le DSP est enclenché dessus. Donc voilà, mais autrement, oui, là si je le coupe, là pour le coup, là c'est le silence là au QRA. Bon, j'espère que là ce coup-ci je tiens le bon bout. Hein. Enfin, du moins le bon bout pour le plan B. C'est voilà, et que là cette nuit et toi demain je vais arriver à faire quelque chose de enfin propre. C'est qui est plus ces flashs verts là qui apparaissent dedans. D'autant plus, tiens, puisque là on est tous les deux et que ça passe bien, j'ai essayé plusieurs formats de vidéos. Tu sais, il existe à la fin des vidéos, il existe plusieurs formats. Il y a un point MP4, bien souvent c'est celui-là qu'on utilise, avec les téléphones, des caméras et tout. Tu as aussi point AVI, et puis tu as d'autres types de formats. J'en ai essayé plusieurs, ça m'a fait des fichiers plus ou moins gros, ceci, cela, peu importe, avec la nouvelle version hein, que j'ai du logiciel. Et à chaque fois, je retrouve ces flashs de verre dedans. Alors là, aujourd'hui, là, ce que je vais tenter de faire, enfin aujourd'hui, cette nuit, demain, ce que je vais tenter de faire, puisque ça a l'air de vouloir cohabiter, je vais bien voir jusqu'à quel point ça cohabite d'ailleurs. Et c'est justement de faire tout le travail sous la nouvelle version, parce que bon, j'ai pris les nouveaux réglages et tout là sous la nouvelle version, maintenant en grande partie. Et le travail final, pour finaliser à la fin, le faire avec l'ancienne version. C'est si ça veut bien le faire comme ça, ben, ça peut être une solution temporaire. Des fois qui dure. Bon ben là je l'ai perdu. Hein. Oui, ça monte, ça descend, Oui, ça fait le yo-yo. Ça fait le yo-yo. Ah, je crois que j'ai entendu quelqu'un avec un simple... Oui, c'est la deuxième fois que j'entends un simple bip derrière. Dans le WebSDR, donc de ton côté Gilles. Là, t'es sûr. Tu serais bon. Oh, c'est Gilles que j'entends en doublon. Je suis obligé de monter pas mal le volume du WebSDR là quand même. Ah bah plus je monte, moi je reçois. Quel est le prénom pour 14 qui est là en bout 59? La portée de terminer. Wow, c'est parti là. Ah zut, j'ai raté ça. Le maître des ondes. Alors là, t'y as droit. Comment provoquer quelqu'un à une connerie? Oh bordel, ça marche fort. Là c'est du 9 plus 150 dB là ici. Bon, la retombée est raide puisque c'est du Santiago 4 en réalité. Ah, 5. Hop, ça remonte, Santiago 5. Ouais, ça marche bien. Ah bah dans la gueule. Ah, c'est propre, c'est net, il n'y a pas de saturation dans la modulation. Je pense, j'ai pas cherché à être un petit peu tatillon au niveau du clarifieur. Je t'entends bien. L'écho est coupé visiblement hein, depuis le début du QSO. J'ai rien derrière. Bon, je vais remonter un petit peu le volume là pour voir un petit peu. Je vais mettre le doigt là pour être prêt à clarifier là sur le retour. Allez, s'il faut être tatillon, je dirais 27625.02 ou 03, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment des petits grains de sable là qui traînent derrière. C'est toi, faut vraiment chercher la petite bête là pour trouver quelque chose dans le calage en fréquence. Ah oui, je l'entends, oui. Bah t'es non, hein. Maintenant, hein. T'es à la hauteur de la réputation du groupe, hein. Mais là, toi, là, je sais pas, t'as dû toucher un chouïa quelque chose, ou la température du poste qui a dû bouger un petit peu. Là, pour le coup, je te reçois pile sur 27625.00. Oh oui, monsieur. Il est où? Eh bien, je vais avoir de quoi couper, moi, dans ma vidéo. Ouais, il va falloir que je joue du sécateur. Oh oui. Bon, ben en tout cas, là, on n'est pas en train de s'étouffer dans les discours, hein. Là. Oh là, c'est devenu tout QRP, hein. T'es passé dans le QRM que j'ai là ici, là, qui est pas très fort pourtant, mais là c'est très QRP. Oh, c'est tout petit. Ouais, tu m'arrives plus qu'à un Santiago de 1 ou 1,5, 1 ou 2, un truc comme ça, pas plus. Alors, oui, j'ai compris, tu as entendu Francis. Non, pas du tout. Hein. Et toi, là, je suis en train de te perdre.